À l'occasion du 40e anniversaire et la fête nationale de la République démocratique populaire Lao, les Lao vivant à l'étranger se sont exprimés. Bonjour, permettez-moi de vous présenter ce suis Prep Tien Ping, Suo Lang, président de l'Union des Lao en France. En ce jour d'un grand événement pour le Laos, je vous permets de m'exprimer mon sentiment solennel. Du fait que je suis invité par le gouvernement et j'ai l'honneur de mener une équipe, une délégation de l'Union des Lao en France pour participer à cette célébration de la République démocratique populaire Lao qui fête aujourd'hui le 40e anniversaire de la RDP Lao. Ça, pour nous, c'est un grand honneur et c'est vraiment un événement grandiose pour notre pays. Et depuis notre arrivée en France, c'est-à-dire 1975 jusqu'à nos jours, j'ai trouvé à chaque fois que je visite le pays, je trouve que sur le plan économique, il y a beaucoup de progrès, il y a toujours une nouvelle essor économique, notamment sur le plan d'infrastructure, l'électricité et la construction des routes. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, dont c'est positif pour le développement économique, social et politique pour le pays. Ça, pour nous, ça nous fait vraiment très plaisir et ça nous encourage en quelque sorte de travailler et de faire connaître le Laos davantage à nos amis étrangers et notamment la communauté de Lao à l'extérieur pour que tout le monde sache que le Laos maintenant il se développe sans arrêt sur tous les plans, notamment économique, social et politique. Non, et ça c'est un point qui est très important pour nous tous les Lao du pays et les Lao de l'extérieur. Voilà tout ce que je peux dire. Et je profite de l'occasion de remercier la télévision Lao et surtout le gouvernement Lao de nous avoir invités pour célébrer un grand événement comme la célébration du 40e de la République démocratique populaire Lao. Vive la République démocratique populaire Lao. Bonjour, je m'appelle Souk Samlan Bongsali, représentant de la Belgique. Je suis habite en Belgique depuis 1979 et jusqu'à maintenant, déjà 36 ans, j'habite en Belgique. Et je suis très content que le gouvernement Lao nous invite pour fêter la fête nationale Lao cette fois. Et je voulais demander à tous les peuples Lao qui habitent en Europe ou partout dans le monde pour retourner voir le Laos qui sont allés plus loin maintenant. Parce que moi, je suis un Laotien qui vient de Québec, Canada. Je suis très content de participer dans le événement spécial comme aujourd'hui. Le 2 décembre, c'est la journée de nationale pour le Laos. Depuis, je suis quitté le pays. Je veux dire, quitté le pays en 1980. Je trouve que le pays est dans le développé. Si je compare avec la 80 ans avant, c'est très avant, j'imagine. C'est sûr si on compare avec le pays à Western, c'est encore beaucoup de choses à faire. Mais je trouve que pendant 40 ans, c'est très bien, après moi.
Merci beaucoup. Je ne peux pas quoi dire que, parce que je suis très heureux de voir aujourd'hui et l'être et créer que notre pays est développé beaucoup.